J'ai été très marqué, oui, durant ma jeunesse en Syrie par ces deux termes en araméen que sont justice et paix. On parlait beaucoup de kinouta. Kinouta, c'est la justice en araméen, qui est la langue du Christ, et de shlama, la paix, et comme quoi ces deux termes étaient intimement liés et à l'appui ce que les psaumes et ce que certains textes de l'Ancien et du Nouveau Testament évoquent. Aujourd'hui, dans les pays du Moyen-Orient, comme nous le savons, les chrétiens d'Orient sont martyrisés et ils vivent des moments de tension et de misère extrêmement grave, et en conséquence on devrait davantage réfléchir sur la nature de ces sociétés, et l'on constate que la justice est un besoin absolu dans ces sociétés. On n'exprime pas sa foi de la même manière tout en étant chrétien. D'où l'importance aujourd'hui d'intégrer, oui, toutes ces liturgies d'admettre le principe que unité des chrétiens, oui, mais unité dans la différence. Il ne faut pas que le terme d'unité devienne synonyme d'uniformité. Je peux vous dire que il est important, et ça c'est valable dans les liens avec l'Église, les églises orthodoxes et avec l'anglicanisme, etc., de prolonger cette période de rapprochement. Que l'unité soit basée sur une différence, mais complémentaire. En matière de pas concrets, ça peut se situer à plusieurs niveaux. Il y a les voyages, les découvertes. L'Orient découvre l'Occident et l'Occident découvre l'Orient. Un travail de lecture des pères de l'Église. Il y a le travail humanitaire aussi que font les organisations chrétiennes humanitaires. Et je pense que le travail culturel, linguistique et le travail ecclésial aide beaucoup, voyez, au rapprochement entre les communautés chrétiennes sur la voie, on l'espère de tout cœur, de l'unité. Seigneur Dieu, devant les épreuves et les tentations qui s'abattent parfois avec cruauté sur notre monde, donne-nous la force de sortir des orgueils qui avilissent notre humanité. Aide-nous à s'arracher à ce monde de fracas et de tumultes et retrouver ta vraie demeure.